Et ça tout le monde, c'est Azuric Piracien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 de notre aventure 100% sur Super Mario Sunshine Reloaded, évidemment, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien, alors au cas où, petite précision, le planning à thème commence pour ce let's play, voilà, donc cela veut dire que vous aurez du coup, les amis, 16 épisodes au total, ce qui fait 8 épisodes par semaine, dont un épisode tous les jours, sauf dimanche, vous allez en avoir deux, tout simplement, donc en fait, cela veut dire que vous aurez du coup un épisode, alors pour la première semaine, tous les jours à 16h, évidemment. Et la deuxième semaine, on passe tout simplement à midi. Voilà, au moins vous êtes au courant pour ça, donc vous êtes au courant. Et du coup, bah, les amis, on va pouvoir continuer notre aventure. Déjà, la musique qui est derrière, elle est parfaite, c'est celle de Sunshine. Et du coup, bah, on va pouvoir continuer notre aventure, évidemment. Donc dans cette version de Super Mario Sunshine que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, donc... on va du coup continuer. Alors souvenez-vous de l'épisode précédent, c'était tout simplement bah, arrêté après avoir terminé le 7ème soleil de Port Rico. Donc là aujourd'hui on va continuer hein. On va faire le dernier soleil qui nous reste actuellement en termes de soleil principaux hein, vous avez compris. Et du coup ben bah, voilà on va faire ça. On va faire ça. Donc eux ils vont toujours se disputer concernant les arbres. Voilà donc y a aucun changement hein. Ça c'était sûr. Il n'y a aucun changement. Et du coup, bah écoutez. Hey, boum. Ouais, c'est pour vous montrer des choses. Et du coup, bah voilà, donc c'est le Port Rico qu'on doit se rendre. Donc c'est ici, tout simplement. Pour le dernier soleil, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. On peut également, si vous voulez, le prendre par le bas. Voilà. Ouais, c'était pour vous montrer. Ouais, bon, j'ai le droit de vous montrer tout. Hein. Insatiable Yoshi. Donc on y va. L'insatiable Yoshi. Alors je mets le son à fond pour avoir le maximum. Ah oui, l'OST. Oh oui, l'OST. Pom pom pom, si j'avais un Yoshi, je monterais dessus. La la la, mais comment j'en ai pas. La la la, je n'ai plus qu'à en chercher un au parc Piaina. La la, ok. Le marché aux poissons déborde d'activité ces derniers jours. Il paraît que les sœurs Dadidou sont ici, je les adore. Donc on va attendre, parce que vous allez voir, il y a un petit easter egg. La 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 la. Hop, bah, ils arrivent. Voilà. Mettons les choses au clair. C'est moi qui ai lancé cette mode. Le roi de la bouée, c'est moi. Si tu le dis. Blarg, je commence à me sentir mal. Il manquera plus que le dernier. Tac. Ta-la-la. Super. Que des bêtises. Alors là, malheureusement, c'est trop haut. Il aurait fallu lui parler quand il serait là-bas. Donc on va attendre qu'il fasse le tour. Pendant ce temps-là, on va lui parler à lui. C'est vrai, les sœurs Dadidou sont bien là. Dadidou, mais pour moi, le roi Dadidou, c'est autre chose. Dans un autre jeu, il va falloir que je quitte le travail pour plus tôt, alors. Tac. Hey, c'est trop. On va devoir attendre un peu. Alors, est-ce que... il y a des personnes là-haut? Non, là, il n'y a personne là-haut. Là non plus. Donc, par contre, ici, il y a beaucoup de monde. Hein. Tain, 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 tain. J'aime tellement le jeu. Salut, toi. Un jour je serai le plus fort, j'en suis sûr. Wouah! Wouhouhou!
Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah mais ça c'est pas pour maintenant ça. Est-ce que l'autre il est là ou pas? L'autre il arrive petit à petit mais il y a encore du chemin à faire. Bon, on va attendre hein, on va attendre. Parce que j'aimerais bien quand même lire tous les dialogues donc en fait faut attendre qu'il soit là. Là pour là. Est-ce qu'il va arriver? Ouais, il arrive, regardez. Petit à petit, il arrive. Ah, il arrive, il arrive. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous allez voir. Allez, regardez le petit easter egg si vous le savez pas. Voilà. Tu as réussi à parler aux trois barbouteurs. Bravo, voilà ta récompense. Voilà, du coup nous avons un petit champignon. Voilà, bon c'est vraiment rien que pour... Enfin, tout ça pour ça, vous allez me dire, mais... Mais c'est bien quand même, c'est intéressant. La la. Et voilà. La petite vie. Alors non, c'est là-bas qu'il faudra aller. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui parlait. On profite de l'OST en même temps. Je trouve tellement ce jeu relaxant. Concrètement, hein, c'est ce jeu, je le trouve tellement relaxant. Hey, hey. Vous avez cru qu'on pouvait vraiment atteindre là? Mais si, on pouvait. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? Oh, j'ai une forme de tonnerre, moi. Je me sens suffisamment fort pour pouvoir t'envoyer de l'autre bout du monde. Ouf, waouh. Eh ben, dis donc. Voilà. Bon, ça, on le fera plus tard, c'est même. Merci. Alors si je dis pas de conneries, il me semble, je sais plus si c'est ici. C'est ici ou pas le bug? C'est pas ici le bug, mais je crois qu'il y a un bug quelque part par là dans lequel en fait on peut faire des choses. Enfin on peut monter jusqu'au bout du monde. Non mais vraiment sans mentir. Merci. Allez, on monte là-haut. Donc là, il y a beaucoup de personnes à qui parler. Vous avez vu hein, le nombre de personnes. Dadidou, dadidou, je vais danser jusqu'au bout de la nuit. C'est pas mal la référence. C'est leur meilleur morceau, dadidou, dadidou. C'est quand elles ne sont pas synchro que j'arrive à suivre leur chorégraphie. Dou waou didou. Pourquoi est-ce que nos fans ne sont pas plus beaux que ça? Oh, c'est pas gentil. Excusez-moi, reculez un peu, monsieur. Didou didou. Hé hé. Tu peux me rendre un service? Il y a un interrupteur sur lequel je voudrais que tu sautes. On dirait qu'un morceau de fruit est resté coincé dans un tuyau. Ah oui, c'est ça. Bon, on le fera, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, il y a des personnes à qui parler. Moi aussi, je veux aller me baigner avec une bouée. Alors, personne ne vend des fruits ici? Alors, le poissonnier me vend aucun fruit, c'est certain. Quel dommage, mon vieux chien va être vraiment déçu. Il a pourtant une photo de fruits sur la grosse citerne. Mais j'ai vu aucun stand dans le coin. C'est un endroit de plus en plus vivant. Ah, tu m'étonnes, vu le monde qu'il y a. Mon avis pour les affaires, c'est parfait. Je me demande si je deviendrai plus intelligent en mangeant tous ces poissons. Je ne sais pas lequel acheter et amener à la maison. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Même si je l'ai acheté, il est trop gros pour que je puisse tout avaler. J'aurais dû prendre une portion plus petite.
Je devrais essayer de vendre des calmars, ça t'intéresse? Alors Natereo qui va nous quitter, quel dommage. Hop. Bon bah écoutez. Bon bah maintenant on peut aller monter sur la citerne hein. Donc évidemment je pense que vous avez compris. Vous avez vu que Yushi veut là-bas un durian. C'est un durian ou un durian, je sais pas comment. Moi j'aime bien dire le durian, c'est beaucoup plus beau. Et du premier coup. Putain, cette coïncidence. Alors là les, je rends jaloux les speedrunners. Là je rends jaloux les speedrunners, putain. En first try comme ça, c'est parfait. Et là le but tout simplement c'est d'aller de alors il faut arroser les les poissons. Ça crée une petite plateforme et, là, et en fonction de la couleur, les plateformes en fait tout simplement avancent ou font d'autres choses. Par exemple, les violettes avancent de façon comme un ascenseur mais à l'horizontale. Donc là par exemple, on va avaler un autre fruit, vous allez voir. Voilà. Alors pour tournoyer et faire comme je fais au cas où hein, les amis, c'est facile. En fait, vous faites un rapide tour de joystick et tout en sautant. Et en fait, vous pouvez tout simplement bah, atteindre des surfaces assez abusées. Alors là, je me suis totalement fail. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer, mais ça... Mais je me suis fail en voulant vous montrer la chose en question. Not panique, d'accord. Merci. Ça fait deux fois que j'obtiens le truc à la perfection. Non mais c'est une blague. Alors là je crois que les speedrunners vont m'accuser de cheat. Là dites-vous qu'il m'arrive ça en speedrun. Je suis accusé de cheat hein. Concrètement hein, je suis accusé de cheat. Parce que là pour avoir ça, parce que je vous rappelle il y a d'autres fruits hein. Il y a la poire, la pomme, l'ananas et la banane. Donc il y a 4 fruits. Donc là en fait j'avais une chance sur 5. Ça fait deux fois que j'ai le bon fruit sur une chance sur 5 quand même hein. Il faudra peut-être que je joue au loto aujourd'hui. Putain. What are you doing? Hop. Donc là au tournoi. Alors pour les gens pour tournoyer ça pourrait faire peut-être peur. En fait tout simplement il y a la méthode où vous arrosez ce poisson là. Vous montez là. Et ensuite vous faites double saut. Voilà vous êtes là. Et puis après vous pouvez sauter directement là-bas tout en flunter. Voilà. Bon après vraiment c'est facile hein. Non plus n'abusez pas hein. Donc là, du coup, bon, vous atteignez soit le poisson qui ripop, soit vous pouvez tournoyer pour faire ça. D'ailleurs, c'est ce que je préfère, hein, honnêtement, quand vous ici. C'est beaucoup plus sécurisé, je trouve. Alors, les plateformes de couleur, on va dire violette ou rose, permettent simplement de monter, vous avez vu, en hauteur. Et les, au cas où, il y en a une autre type, c'est les oranges, qui, eux, permettent simplement de rester statique. Là, donc là, on peut viser directement le machin. Donc, soit vous attendez être le plus haut possible et sauter directement là-bas. Hein, au cas où vous pouvez le tenter. Sinon si vous voulez faire les choses petit à petit pour récupérer la pièce bleue je vous le montrerai une autre fois. Mais sinon là vous pouvez directement y aller par là. Voilà. Merde. Voilà. Et du coup bah là maintenant c'est qu'une question de c'est qu'une question de temps et puis voilà quoi. Voilà. Donc là maintenant vu qu'on a éliminé le graffiti qu'on était obligé d'éliminer avec Yoshi hein, ça s'énigme pas autrement. Bah, vous pouvez accéder là-bas. D'ailleurs, vous pouvez aussi tricher. Genre, si par exemple, si vous êtes là et que vous voulez pas arroser le graffiti, vous mettez bien tout simplement droit. Vous activez votre Yoshi. Et vous. Alors, tout en mettant le joystick vers le, enfin, vers le bas, vous quittez le Yoshi. Et en fait, dites-vous qu'il y a des moments. Si vous le faites bien, vous pouvez passer à travers la chose. Donc, je vous conseille, au cas où, pour le faire. D'ailleurs, le meilleur des mondes. D'ailleurs, vous pouvez faire ça aussi. Vous avez vu? Donc, quand un obstacle se met pile sur votre passage, ça permet de passer derrière. Donc, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez faire ça aussi avec par exemple, une noix de coco. Bon, pour emmener une noix de coco ici, je vous montrerai la méthode quand ça sera bon. Mais sinon, voilà, vous faites ça. Et sinon, ben. Alors, il faut bien réussir à le faire. Mais dites-vous qu'il y a un moyen où vous pouvez le faire. Hein. Il y a des moments où vous pouvez bien le faire. C'est ce que c'est compliqué. Bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai montré un petit peu la technique. Et du coup, bah, on peut récupérer notre shine. Et du coup, c'est parti. Par contre, je suis désolé, Yoshi, mais tu niques la miniature. Je suis désolé. Ouais, tu niques la miniature. Voilà. Voilà. Et maintenant, la miniature est parfaite.
Parce qu'avoir le Vyushi derrière. Alors le cul de Vyushi derrière, c'est pas intéressant pour la miniature, hein. C'est pas le cul de Vyushi qui fera des vues. Oh my god. Bon, bah du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, dans l'épisode prochain, on ira simplement se rendre dans le prochain niveau. Hein, dans le prochain niveau qui sera du coup le Gelato Les Flots. Voilà, donc on fera ça du coup dans l'épisode prochain. Je pense que les amis, cette semaine, on profitera d'une interlude pour vous montrer déjà tout simplement comment on récupère par exemple les... les soleils en tout cas la première partie. Parce que je pense qu'on va peut-être en faire deux ou trois parties d'épisodes comme ça. Mais je pense que dans l'épisode prochain, non, je pense que ça peut être dans l'épisode prochain, avant d'aller à Gelato Les Flots, l'épisode prochain sera consacré tout simplement à la colline Bianco, dans lequel je vous montrerai tout simplement comment récupérer certains shines de façon plus rapide, ou en tout cas de façon plus, voilà, plus tricks que les autres. Donc voilà, je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Je vous montrerai également des glitches, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc, mais je pense d'abord, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs parties. Je pense qu'il y aura déjà une partie ou deux, ça dépend, dans lequel je vous montrerai l'intégralité, enfin pas l'intégralité, mais en tout cas ce qu'on peut faire le plus rapidement possible. Et ensuite on fera peut-être une partie où je ferai exclusivement, ou deux, ça dépendra du nombre de bugs, où je vous montrerai tout simplement les bugs à faire dans, par exemple dans la colline Bianco. Donc ça peut être bien. Voilà, donc voilà, c'est vous vraiment sur Let's Play Reloaded. J'ai vraiment envie de vous montrer plein de choses. Et du coup voilà, écoutez, du coup dans l'épisode prochain, on fera ça. Donc voilà, dites-vous que du coup dans l'épisode prochain, on récupère pas de pièces bleues, on fait rien du tout de tout cela. Tout simplement, je vous montrerai la façon la plus rapide de prendre les soleils. En tout cas, oui, ça sera la façon, entre guillemets, la façon la plus rapide. Et puis voilà. Donc du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.